c'est un fait. Pour se déplacer sur Terre, il faut dépenser de l'énergie. Pour la plupart, les véhicules automobiles tirent cette énergie de la combustion de carburant d'origine fossile, ce qui n'est pas sans inconvénient. En effet, cette combustion dégage notamment du CO2 qui participe à l'augmentation de l'effet de serre, donc au réchauffement de la planète. Il est donc essentiel de tout mettre en œuvre pour limiter ces émissions nocives. L'Europe souhaite parvenir d'ici à l'horizon 2012 à une émission de CO2 inférieure à 120 grammes par kilomètre, soit une consommation de 5,1 litres au 100 km pour un véhicule à essence. Réduire la consommation d'énergie revient à réduire l'impact des forces qui s'opposent au déplacement des véhicules. Quelles sont ces forces? La gravité, tout d'abord. Lié au poids du véhicule, il est impossible d'y échapper. L'inertie, ensuite, qui s'oppose à la prise de vitesse. Les forces aérodynamiques, dues à la résistance de l'air, sans oublier les frottements mécaniques du véhicule. On sous-estime souvent l'impact de la cinquième force. Elle est pourtant responsable d'un cinquième de la consommation d'énergie. C'est la résistance au roulement liée aux pneumatiques. Nous allons détailler son action. En fait, une roue très dure sur un sol très dur ne rencontrerait que très peu de résistance au roulement. C'est le cas du chemin de fer. Mais avec l'automobile, il en va autrement. En effet, sous l'effet de la charge, le pneu se déforme à chaque tour de roue. Flexion, cisaillement, compression le mettent à rude épreuve. La souplesse du pneu crée une aire de contact avec le sol où naissent également des déformations d'amplitude plus limitées, là où la gomme épouse les rugosités du revêtement routier. Grandes ou petites, ces déformations, indispensables au confort et à l'adhérence, génèrent en contrepartie une résistance au roulement. Pourquoi? Parce que les gommes qui constituent les pneus sont des matériaux viscoélastiques. C'est-à-dire des matériaux qui, une fois déformés, ne retrouvent leur forme initiale qu'au bout d'un certain temps. Toute l'énergie investie pour les déformer n'est pas restituée intégralement. Une partie est dissipée sous forme de chaleur, donc le pneu s'échauffe. Cette perte correspond à la résistance au roulement. Regardons de plus près. Les gommes sont composées de longues chaînes moléculaires, les polymères, reliées par des ponts de soufre pour l'élasticité. Cet enchevêtrement est parsemé de charges, noires de carbone et silice, pour la résistance à l'usure. L'échauffement est dû au frottement des chaînes moléculaires entre elles. Jouer sur la composition de ce mélange savant permet d'abaisser la résistance au roulement. Dans ce sens, l'introduction de la silice par Michelin en 1992 a constitué un progrès majeur. C'est ainsi que la résistance au roulement est aujourd'hui 3 fois moindre que pour les premiers pneumatiques. D'autres facteurs influencent la résistance au roulement. Ainsi, un pneu de grand diamètre à profil plat, comme un pneu de camion, oppose moins de résistance, toute proportion gardée, qu'un petit pneu à profil bombé, parce qu'il se déforme moins. Notons également qu'un pneu sous-gonflé, donc plus déformable, consomme plus. Concrètement, avec des pneus Michelin à basse résistance au roulement, le gain équivaut à un allègement de 100 kg pour un véhicule de 1 tonne. Imaginez, si les 808 millions de véhicules de tourisme en circulation dans le monde étaient équipés de tels pneus, l'économie annuelle réalisée correspondrait à 1400 pétroliers tankers de 20 000 tonnes. Une preuve tangible de la part active que prend Michelin pour garantir une meilleure mobilité de chacun tout en préservant l'avenir. Michelin, une meilleure façon d'avancer. L'adhérence, facteur clé de la sécurité, se produit au niveau de la zone de contact entre le pneu et la route, une surface équivalente à celle d'une main. Mais sur sol mouillé, l'eau nuit à l'adhérence à tel point que la distance de freinage est fortement augmentée.
Le pneu doit donc assécher au mieux la zone de contact entre la voiture et la route pour assurer ses fonctions. En travaillant sur la structure du pneu, il est possible de donner à l'empreinte au sol la forme d'une étrave qui fendra le film d'eau et la chassera vers l'extérieur. Le dessin des sculptures joue un rôle primordial pour évacuer l'eau. Enfin, la nature de la gomme influe également sur l'adhérence. Le pneu est un assemblage complexe de plusieurs éléments, mettant en œuvre une grande variété de matières premières. La composition des gommes varie au sein du même pneu. Chaque mélange est soigneusement établi pour répondre aux exigences de souplesse, résistance, adhérence, etc. De grandes longueurs de câbles métalliques et synthétiques sont également mises en œuvre. La fabrication s'effectue sur le tambour, un cylindre rotatif dont la partie centrale souple peut être gonflée. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Le premier élément appliqué sur le tambour est une feuille de caoutchouc synthétique étanche à l'air. Cette couche remplace la chambre à air dans les pneus actuels. Dans un deuxième temps, une nappe de câbles textiles enrobée de caoutchouc est ajoutée. Ce réseau de câbles formera une armature rayonnante autour du pneu. C'est la carcasse radiale. Calés contre des bandes de gomme profilées, deux cerceaux de câbles métalliques à haute résistance sont mis en place. Ce sont les trains. Elles maintiendront le pneu sur la jante. La nappe carcasse est rabattue sur les tringles pour assurer son ancrage. D'autres éléments sont ajoutés. Les flancs en gomme souple et résistante protégeront le pneu des dommages latéraux. On donne alors forme au pneu en gonflant la partie centrale du tambour. Deux nappes sont appliquées au sommet du pneu. Elles sont armées de fils métalliques disposés obliquement et forment ainsi, avec la nappe carcasse, un réseau de triangles pour limiter les déformations du pneu. Enfin, c'est la pose de la bande de roulement, la partie du pneu en contact avec le sol. L'ébauche de pneu peut alors prendre place dans le moule de cuisson. Au centre, une membrane remplie d'eau chaude sous pression repousse la matière encore malléable au fond des empreintes gravées dans le moule. Grâce à la chaleur de l'eau et de la vapeur qui entoure le moule, la cuisson commence. L'élévation de température entraîne la vulcanisation du caoutchouc. Le soufre incorporé au mélange de gomme forme des liaisons entre les chaînes de polymère. Dès lors, le caoutchouc passe de l'état plastique à l'état élastique. À la sortie du moule, le pneu a acquis sa forme et ses propriétés définitives. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Le pneumatique, seul point de contact du véhicule avec le sol, doit assurer des fonctions complémentaires. Porter, rouler, guider, transmettre, répondre, amortir, durer. Pour notre sécurité et notre confort, il dialogue en permanence avec les sols les plus variés et dans des conditions parfois extrêmes. Suivant sa catégorie, un pneu porte de 40 à 270 fois son poids, tout en subissant au cours de sa vie de 20 millions à plus de 200 millions de déformations. Endurer des variations de température de moins 50 à plus 50 degrés et supporter des chocs intenses, volontaires ou non. Il va falloir guider en courbe, accélérer ou freiner,
répondre aux multiples sollicitations de la conduite, de la chaussée et de l'environnement. Le pneumatique pourra alors fournir des efforts longitudinaux et transversaux pouvant atteindre sa propre charge, et ce, avec une surface au sol au plus égale à une main pour un pneu de voiture et à deux mains pour un pneu poids lourd. Aujourd'hui, un pneu poids lourd peut atteindre 300 000 km avant rechapage, alors qu'il n'en parcourait que 75 000 dans les années 50. Le pneu doit participer au confort des occupants du véhicule. Confort de conduite, en répondant fidèlement à la volonté du conducteur et en lui renvoyant des indications claires de conduite. Confort physique, comme élément de la suspension atténuant les irrégularités du sol. Confort acoustique, en étant le plus silencieux possible. Finalement, sous son apparence familière ronde et noire, le pneumatique doit répondre à toutes ses exigences. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Noir et lisse. Et pourtant, ce n'est pas un jouet en caoutchouc, mais bien un pneu de moto. Ce qu'on attend de lui, une super manœuvrabilité, une grande adhérence et un comportement prévisible sur route. Et toutes les forces doivent être transmises sur une surface de la taille d'une pièce de 20 centimes. Dans les virages, la surface de contact change en permanence. Comment le pneu peut-il ainsi garder le contrôle ? When we need more grip. Avec certains angles d'inclinaison, on a besoin de plus d'adhérence. On a eu l'idée d'utiliser différents mélanges au niveau des épaules et des arêtes pour obtenir l'adhérence qu'on attend en position inclinée. Voilà donc le secret de l'adhérence. On appelle ça la technologie multi-thread ou multiband. Si vous imaginez la courbure du pneu, vous avez, selon la position inclinée, un mélange différent qui est en contact avec le sol et génère l'adhérence qu'il vous faut. Les matériaux sont aussi modernes que le pneu. Des bandes ultra résistantes aux propriétés définies avec précision et un faible poids grâce aux fibres synthétiques, comme l'aramide ou le nylon. Un pneu est composé de plusieurs couches aux propriétés spécifiques. La superposition de multiples couches et l'insertion de renforts assurent une grande résistance à l'ossature. Pourtant, le pneu est encore un peu plus compliqué. Les couches de ceinture, ici en ocre, et la surface de roulement doivent réunir stabilité, résistance à la chaleur et adhérence. Les bandes ultra résistantes sont enveloppées par la ceinture longitudinale. La surface de roulement est posée avec précision et compressée. La couche inférieure et la structure sont assemblées manuellement et grâce à la technologie. La vulcanisation forme le pneu de course. Et ce dernier fournit ensuite son dur labeur sur les circuits. Lors des courses d'endurance, il doit être remplacé. Le pneu atterrit ensuite au contrôle et, pour le changement, chez les pros des pneus en coulisses. L'un d'entre eux, Steve Mail, nous éclaire un peu sur les pneus de course. Les machines d'usine que nous équipons développent autour de 200 chevaux et pèsent environ 165 à 170 kg. Quand on accélère, les forces en jeu sont donc énormes. On a besoin d'une surface de contact très large pour que cette force et cette énergie puissent être transmises au sol. C'est surtout en sortie de virage ou dans les longues lignes droites que ces forces importantes agissent longtemps. Et là, il faut un pneu large et une grande surface de contact. C'est valable pour le pneu arrière. Le pneu avant a une autre structure et d'autres fonctions. Les pneus avant sont, comme vous le voyez, plus étroits. Le pneu est toujours sollicité, seulement pendant un bref moment.
toujours lorsqu'on freine ou qu'on rentre dans un virage. On a donc besoin d'un pneu avant qui stabilise lors du freinage et qui tourne facilement. C'est pourquoi il est très étroit. Un pneu avant très large aurait une force d'inertie trop importante et il serait impossible de changer de trajectoire assez vite. Du coup, on opte pour une forme étroite et pointue pour pouvoir manœuvrer la moto aussi facilement que possible dans les virages. Les vitesses extrêmes sur les circuits sont possibles uniquement grâce au mélange et aux matériaux high-tech des pneus. Sur la piste comme sur la route, quiconque confie sa vie à une surface équivalente à une pièce de 20 centimes doit choisir les bons pneus. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.
Michelin, une meilleure façon d'avancer. Au niveau de l'aire de contact, une indentation se produit entre la gomme du pneu et le revêtement routier. Le sol, dur et présentant une surface irrégulière, imprime des déformations dans la gomme malléable, bloquant ainsi le glissement entre les deux surfaces. L'adhésion est un ensemble de phénomènes physico-chimiques se produisant à l'échelle moléculaire entre deux matériaux mis en contact. Le GECO, par exemple, utilise cette propriété pour se déplacer sur du verre. L'adhésion nécessite que les matériaux soient parfaitement propres et secs. Les différents revêtements routiers peuvent être classés selon deux axes. Un axe représente les macro-rugosités, c'est-à-dire la taille des granulats perceptibles à l'œil nu. Le deuxième axe caractérise la surface des granulats, plus ou moins lisse, selon la présence ou non de micro-rugosités. L'adhérence progresse selon ces axes.